Donc, bonjour, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous allons faire le test de Super Metroid sur Super Nintendo, alias Super NES. Donc, je ne veux pas vous faire montrer le premier, la première séquence d'intro du jeu. Je vais vous faire montrer ma partie dans laquelle j'ai avancé un peu plus. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une zone assez vaste. Donc, Crateria, Brinstar, Norfair et une zone que je n'ai pas encore découverte. Donc là, on a une map. Donc ça, c'est la map de Crateria. Voilà. Donc, c'est du Samus, enfin, c'est du Metroid en 2D. Comme on retrouve sur GBA, sauf que ce mode de jeu a été au départ précurseur sur Super Nintendo. Donc, comme vous pouvez le voir là, j'ai une arme quand même qui est assez pas mal. Donc, c'est une arme de glace avec trois rayons. Donc, ça vous avez pu le constater. Il y a un truc que j'aime bien. Je trouve ça assez stylé. Quand on charge le rayon et on recule, je sais pas si on le voit, elle fait un peu du moonwalk à la Michael Jackson. Donc voilà, je trouve ça marrant. Donc là, si on court avec, hop, donc là c'est la super vitesse. C'est-à-dire que certains murs peuvent être détruits qu'avec ça. Hop, par exemple, voilà. Donc ça, tout ça, c'est des trucs qu'il faut gagner au fur et à mesure dans le jeu. Hein. Ça se gagne pas comme ça. Ensuite, là, vous avez les missiles. Voilà. Ensuite, on les super missiles. Ça fait mal. Ensuite, on a les bombes de puissance. Ça, inutile de préciser que ça fait mal aussi. J'essaie de trouver des petits ennemis pour voir. Donc l'histoire se déroule après le premier Metroid. Donc une fois que Samus a détruit Mother Brain, Ridley et Cred sur la planète Brinstar. Non, excusez-moi, Brinstar c'est le nom d'un lieu, c'est le nom de la planète, c'est Zeb. Donc une fois que Samus a quitté Zeb en fait. Donc ça, un petit rayon grappin qui nous permet de pouvoir traverser des zones. Voilà, comme ça. Bon là, j'ai pas été très doué, j'ai pas réussi. Bon, j'ai gagné le costume de gravité, donc ça me permet de me déplacer dans l'eau un peu comme je veux. Parce que normalement, on peut pas le faire, ça. Donc on va essayer de s'accrocher là-haut. Donc en fait, elle revient sur Zeb, parce qu'en fait, elle a appris que les pirates avaient de nouveau une activité sur Zeb. Donc, en fait, ils ont essayé de reconstruire leur complexe, qui a été détruit par les bonnes actions de Samus. Donc, vous avez aussi là un petit rayon pour analyser tout ce qui est de secret, en fait. Si je me rappelle comment on l'utilise. Ah oui, voilà. Donc en fait, là, avec ça, vous pouvez voir tout ce qui est secret. Donc c'est-à-dire tous les murs qui peuvent se détruire, vous pouvez voir à travers. C'est un peu un rayon scan, quoi. Donc, elle retourne sur donc Zeb pour essayer de recontrecarrer les plans des pirates de l'espace, en fait. Donc ce jeu est long. Contrairement aux anciens jeux sur NES dont j'ai fait le test, ou je ferai le test, ça dépend. On peut sauvegarder, les graphismes sont largement mieux faits, l'animation est très fluide comparée au premier Metroid.
Donc il y a quand même beaucoup de changements. Ça se rapproche vraisemblablement d'un jeu sur GBA, pour ceux qui seraient habitués. Donc je vais essayer de vous montrer un peu. Raté, c'est pas grave. Presque. Voilà. Donc on a aussi la possibilité de viser en diagonale. Ça, c'est très important parce que ça rend beaucoup service de viser en diagonale comme ça. Parce que dans l'ancien Metroid, on pouvait pas. Donc là, un petit tapis roulant. Donc vous voyez une unité de sauvegarde là, je vais vous la montrer. Voilà, on rentre là-dedans et on sauvegarde. Donc il est très 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 long ce jeu. Pour vous dire, je ne l'ai pas encore fini. Là en plus je suis déjà pas mal avancé parce que vous voyez quand même que j'ai quand même pas mal d'objets. Donc là vous voyez, mon rayon peut traverser certains murs. Donc ça veut dire que hop, on peut passer. Donc il y a plein plein d'endroits comme ça où on peut détruire le décor. Il y a plein de passages cachés. Donc, faut bien chercher en fait à chaque fois. Des bêtes à tuer. On peut aussi charger le rayon. Ça, c'est une chose qu'on peut pas faire au début, ça. Monte-toi. Ah, s'ils commencent à m'énerver, on va les attaquer au missile, hein. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez bien fait. C'est de la Super Nintendo, hein, donc les graphismes sont pas mal quand même. Donc, je ne sais que vous montrer d'autres. Donc, je vais finir le test sur ces images. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est un très bon jeu. C'est pour tous les fans, je le conseille, car il permet de comprendre l'histoire des débuts de Samus. Donc, si vous n'avez pas joué à ce jeu, vous aurez un peu de mal à comprendre les jeux suivants. Donc, je précise que ce jeu est téléchargeable sur la console virtuelle. Il vous suffit de posséder une Wii et une connexion Internet. Et vous pouvez l'acheter pour 800 Nintendo points. Donc, j'espère que ce test vous a plu. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt!